puissante, 0,86 g. Terrible. Allez, il y en a eu que 6, il y en a un qui était niqué. Après, les cobras pointus en 1,02 g. Cible de droite en bas. Voilà 7 mètres. Molaire meilleur que ça. Et Humarex. Hop. Je recharge vite les gars et je reprends. Allez, on reprend. Deuxième chargeur de chaque. Allez, on recommence. Swiss Arm, pointé de pelette, 0,90 g. En haut à gauche.
cela, j'ai l'impression qu'il tire un câble. Allez, on passe au Marex Cobra 1,02 g. Ah, je les sens, ils passent mieux dans le baridé. Donc on va être en haut à droite. Ils passent mieux dans le baridé et puis j'ai l'impression qu'ils vont mieux. Bon ben voilà les gars, deux barils de chaque. Donc voilà, ben écoutez, je prendrai pour la conclusion et puis voilà. Voilà, petite conclusion vite fait les gars. Donc du coup, avec deux plombs différents, donc en premier on a utilisé les Swiss Arm Pointed Pellets en 5,5 0,90 g. Donc du coup, en premier j'ai eu là, ici, deuxième ici. Ça décale un peu en bas à gauche. Et les Humarex Cobra 5,5 1,02 g. En premier ici, deuxième ici. Bah, je trouve qu'ils ont un meilleur poids et ils sont mieux centrés. Donc voilà, hein, c'est après ça à 7 mètres avec une lunette Soloniac de Decathlon. Lunette à 50 balles, hein, c'est pas une lunette de fou, hein, mais c'est très bien. Franchement, nickel. Donc voilà les gars, ben c'était juste pour dire que ben les Humarex Cobra 5,5, les pointus, franchement, ceux-là, là, ils sont nickel.
Bon, voilà, petite séance de tir du matin. Les Swiss Arms, c'était cela. Hop. Donc voilà, bah, écoutez, un big up à tout le monde et une bonne journée. Allez, tchuss les gars.